Pour Archibald et ses chatons, j'ai changé un petit peu la technique que j'utilise habituellement pour réaliser mes illustrations. En plus de l'aquarelle et des crayons de couleur, eh bien, j'ai comment réalisé certaines parties des images avec de la gouache. Et c'est la première fois que je mélange ces trois techniques. Voici le carnet où j'ai commencé à dessiner les personnages d'Archibald et ses chatons. Au départ, de façon très lâchée, et puis rapidement, j'ai trouvé leur apparence définitive. Et pour moi, donc l'enjeu était vraiment de créer des petits personnages très expressifs en fait. Que chaque chaton ait sa personnalité et qu'Archibald, donc ce bon gros chien de garde là, ait un air à la fois bonhomme, mais quand même un petit peu patibulaire. Je me suis inspirée du Leonberg, une race de chiens de garde très massive. Mmh.